Oui, c'est ouvert, c'est l'heure, c'est 19h. Toi, tu rentres. Oui. Toi, tu rentres. Toi, tu rentres. Attention, les chaussures la prochaine fois. Non. Toi, ça va pas être possible. C'est une soirée 18+, là. Donc, 19h, The Big Game of Ski. Soirée 18+. Cherche pas de la cohérence, c'est comme ça. Non, y a rien à négocier, tu t'en vas. Veuillez laisser la place libre, monsieur, merci. Bonsoir, cher ami. Aujourd'hui, on démarre sur ce jeu qui est 18+, regardez. Alors, vous ne parlez pas japonais. Donc, vous ne savez pas que c'est Sexy Parodius. Et donc, une suite du merveilleux Parodius qui va se passer dans un univers chatoyant, kawaii et plein de boulettes, on espère. Mais bon, on va regarder un petit peu la tête du jeu, ce sera plus simple. Comment ça, j'ai démarré le stream de mauvaise humeur? Non. Je vois pas de quoi vous parler. Je vais vous demander de sortir, toi. Non, tu sors. Allez hop. Alors, qui dit shmup dit scénario. Et qui dit scénario dit des cases qui bougent sur un écran. Ça, c'est le dire l'eau de la boîte. Et oui, il comptait sous tout le temps. Et donc, je ne vous avais pas menti, ce Parodius va être super sexy. Préparez-vous, installez-vous confortablement, une petite boisson décontractante à côté de vous, et puis allons-y, gaiement. Comment ça, j'ai mis quelques crédits? Oui, bop, c'est un shoot horizontal, les gars, hein, donc on a plein de personnages qu'on peut choisir, mais moi je vais prendre Vic, parce que Vic, il ressemble à un vaisseau. Et si je prends le petit cochon, tout de suite, je vais partir en sucette. Mais peut-être que si vous êtes sage, pendant le stream, je changerai de vaisseau. Principe toujours identique hein, à la Gradius. Petit upgrade des armes qui va se faire automatiquement comme ça, j'ai même pas à réfléchir. J'ai juste à viser ce qui arrive. Alors pour les gens qui seraient arrivés sur Terre lors de la dernière livraison de nouveaux colons pour remplacer ces abrutis d'humains, Sexy Parodius, donc c'est une suite. Donc on sait à quoi s'attendre, surtout que c'est dans le nom, c'est écrit Parodius, ce qui veut dire que ça parodie pas mal de personnages de jeux vidéo, pas que les shoots d'ailleurs. Et donc on peut se régaler à identifier nombre de références. Et puis tout ce mélange finalement est super rigolo. C'est pour ça que je prends un ton de voix super grave, vous avez remarqué? Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'arrive à jouer, moi-même je ne comprends pas. On m'aurait menti. Un des jeux les plus durs de la planète deviendrait facile. Alors, il me semble que cette version quand même est relativement accessible par rapport à d'autres versions de Parodius, y compris la classique, et sa fameuse danseuse qui nous avait bien cassé les nerfs. Et donc je pense que à la team on leur a dit, hé les gars, on veut bien que vous fassiez des trucs rigolos, marrants, tout ça, machin. Mais le môme, quand il met des pièces toutes les 30 secondes, sa mère, elle fait un peu la gueule. Donc on va essayer de modérer un peu le truc, ok? Et apparemment, le message a été reçu. La preuve, je fais le môme qui joue comme un manche. J'ai aucune difficulté à ça, d'ailleurs. Et je suis pas encore mort, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'elle me veut, cette montagne? Alors, est-ce que j'ai déjà joué à Sexy Parodius? J'ai dû le lancer une fois ou deux pour voir la tête que ça avait, parce que j'étais un grand curieux. Puis j'ai pas accroché plus que ça, parce que vous savez bien que moi, les scrollers horizontaux, c'est ma vraie passion, comme dirait Omar Sharif. Et donc, vu que c'est ma vraie passion, je m'en passe très très bien. Regardez-moi ces chats mutants. Alors, est-ce qu'on a un mauvais jeu? Bah déjà, dès le début, non, parce que rien que les graphes, c'est poil rond. La jouabilité, bah nos petits oignons, enfin au popcorn. C'est bien ça, au popcorn. Et donc, ce serait difficile de... Ça va un peu vite, hein, madame. Ce serait difficile de dire des méchancetés à dire sur ce jeu. Surtout que, apparemment, je confirme, il a été facilité. Là, je comprends pas que je sois pas encore mort. C'est étrange. Le nombril, mais je vois pas ton nombril. Vous avez déjà vu un nombril sur un épi de maïs, vous? Bon, alors, voilà. Et en fait, c'était un renard déguisé en épi de maïs. Rendez-vous compte. Le scénario vide, je ne comprends plus rien. Scénario sexy. Bon, l'autre, il encaisse de la thune, c'est ce qui compte. Hein.
Alors c'est peut-être le patron de Konami, on va savoir. Je me concentre un peu parce que je sens que ça va être ma fête là. On arrive au deuxième tableau. Deuxième tableau, moi je sens bien des passages un peu à la con étroits, genre. Pourquoi je me bats contre des pots de chambre d'abord? Non, parce que je réalise soudainement, là je suis focus un peu sur ce qui bouge à l'écran pour essayer de pas trop faire de conneries d'avancer dedans. Ça se trouve, je vais vous one CC, tu vas voir. Ça serait miraculeux. Ça serait le premier one CC que je ferais sur un shmup. Qu'est-ce qui se passe? Le jeu est en train de se transformer en Sonic le Hérisson. Ah bah c'est pas aujourd'hui one CC les enfants. Hein. J'ai perdu tout mon armement. Je suis nu, nu comme un vermisseau. Je n'ai que mes yeux pour pleurer. Regarde, je pleure d'ailleurs. J'ai pas le temps de regarder les décors sexy. Ce jeu, mon vœu. Gnangnangnangnangnangnang. Fallait bien que ça arrive. Oui, bah, je m'attendais pas à faire une phase. C'est du platformer, quoi. Sérieux, vous remplacez le vaisseau. Y a pas un hérisson que je peux prendre? Je vais prendre le cochon. Et un cochon qui va speeder, ça va être marrant. Oulala, non, ça va pas être si marrant en fait. Vas-y, prends ton élan. Fais gaffe, il y a des sacs de cul. Sac de cul, c'est le terme technique. Oh, mais il m'a propulsé au sol. Madame, madame. Non. Non, pas d'autographe, pas aujourd'hui. Je ne suis pas en forme. Je vais. Oups. Je ne sais pas. Mais je suis les pièces en fait. Je suis le flotte de pièces. Bah, il est super en forme. Regardez-moi cette illustration de la folie. Oh, poussez-vous. Oh, c'est pénible ça. Hein? Ah, je descends. Et je me faufile avec la grâce porcine qui me caractérise. Et j'ai raté un bonus. Et j'arrive devant un boss. Ah bah toi, on voit ton nombril, c'est pratique. C'est ton nombril. Il tire la chasse d'eau et donc. Et ben voilà, l'eau se vide. Les Parodius quand même, on les aime beaucoup pour ça. C'est cet amour du sprite destiné à la main et qui vous fait rigoler. En plus, là, il est en train de me mélanger une partie de jeu où ça se mélange avec du Pong, si je ne m'abuse. J'ai pas rêvé, quoi, parce que des bulles qui se séparent en plus petites, il va me faire un sale coup, lui. Oh, la musique. Le Cirque Grus se présente aujourd'hui Porcinet d'amour et ses missiles. Lalalala. Donc, s'il fait mauvais chez vous, que vous avez eu des nouvelles affreuses toute la journée, ou qu'on a été méchant avec vous au boulot, rentrez chez vous à la maison, regardez The Big Game Mosquée et lancez un sexy Parodius. Vous allez voir, même si au premier tableau vous avez continué de tirer la gueule, vous allez vite vous détendre de zygomatique. Hein. Ce jeu est fait pour ça. Et pour shooter accessoirement. D'ailleurs, c'est écrit dessus. Non, je. Bon. J'avais cru qu'il fallait ramasser le vermisseau. Le rat. Dans ma tête, je pensais souriceau, mais bim, c'est vert qui est sorti, quoi. C'est con. Des fois, il y a comme ça des mots. C'est la particularité du live. Hein. Il y a des gens, ils aiment bien réciter leurs textes. Moi, j'avoue que. Le Pac-Man, qu'est-ce qu'il fout là? Il est avec moi? Ah ouais. Cool. Oui, c'est ce que j'étais en train de réfléchir. Si on m'ouvre pas la porte, je ne peux pas entrer. Qu'est-ce que tu veux, Pac-Man? Va bouffer là-bas. Waka waka. Mon goût de sauce. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors, j'ai quoi? Répéter le stream? Non, pas du tout. Bah, je vous garantis que non. Pff. Bah moi, les Parodius, c'est un horizontal. C'est un horizontal, de toute façon. Bah, regardez, je me crache tout seul. Donc, voilà, tout est dit. C'est pas ma tasse de thé, les horizontaux. Ouh, je suis en super wank. À moi, les wankeries. Oh, le marron. Oh, cette musique de rock'n'roll. Je vous laisse apprécier la musique. Comment ça, vous n'appréciez pas vraiment la musique? Bah, c'est parce que vous n'avez pas l'oreille, c'est tout. C'est pas ce que c'est, je passe par en dessous, je prends tous les risques du monde, je ne veux pas savoir si c'était mieux de passer ailleurs. Je vais rester en bas, je suis super bien en bas, personne ne m'emmerde trop.
et j'ai envie que ça dure. Mais il va y avoir un gros piège à con, je sens. Ouais, j'insiste. Je suis bon candidat en général pour les pièges à con. Elles sont résistantes, hein, ces portes, dites donc. Je pourrais avoir des bonus un jour, un truc dans le genre. Oh putain. Non. Ne fais plus des trucs comme ça. Oui, le main, tu es méchant. Nekobaka, voilà, tout est dit. Oh, mais... Oui, vous alliez dire un truc aussi. Vous avez songé à quelque chose. Me dites pas le contraire, ça se sent, quoi. Je le sens quand les watchers des streams ont un truc dans la tête et voilà. Et que ça dérape. Je vous connais, de toute façon. Vous regardez pas ces streams pour rien. Oh, zut, faut pas que je parle en même temps. Je fais une interruption de ma voix jusqu'à la fin de ce buzz, je crois. Parce qu'il va être méchant avec moi. Qui on a comme autre candidat? Stickman. Je vais t'essayer, toi, rien pour le rire. Oh, qu'il est beau. Non, il est trop beau, celui-là. Je connais pas ce vaisseau. Il est beau, mais... J'ai sa gomme. Oui, m'a remis. Si je rate mes bonus en plus, ça va vraiment pas être bien. Cool. Ouais, je suis méga. Bah, je vais lui péter la gueule comme ça. Mine-toi! Vite, Tidebox! Tidebox! Chérie, un bisou. On n'aurait pas pu être plus dégueulasse dans ce jeu. Non, je me barre. Je boude. Je suis tout. Pourquoi il me remet le Waka Waka? Faut pas hésiter quand il y a des lasers qui sortent. Hein. C'est 1, le laser. 2, tu bouges. T'as une seconde pour choisir ta direction. Non. Ah, bah, le décor, elle est tant qu'à faire. J'avais commencé super bien ce stream, je jouais potablement, et là je fais une petite faiblesse. En fait, c'est ce bonus qui me déconcentre. J'arrête de tirer quand il est là parce que je me dis qu'il fait tout le boulot. Hey! Dans la gueule. Bah que oui, je continue. Ce vaisseau ne convient pas. Il n'est pas aussi beau que prévu. Non. Toi, tu vas me faire rire. Je sens que tu vas me faire rire. Je sais pas pourquoi. Ouh, je repars. Oui, il est bon, lui. Il est très bon. C'est un professionnel. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces cascades. Yaha! La madame! Oui, donc, j'ai connu le coup. Bah, je redeviens petit, voilà. Et sur mon avion en papier, une dérouillée, je vais te mettre. J'ai un super bonus qui largue des moi-même. Pas crier comme ça. Qui largue des moi-même bien à la verticale, c'est-à-dire de manière à ce que ça n'atteigne surtout pas cette gentille princesse qui me fait de l'œil. Une seconde pour choisir la direction, c'est un peu court pour les vieux. Choisis ta direction. Bah, moi, ça sera... là. Raté. Essaye encore. Et... oh! Et mon invincibilité, là! Il y a dégueulasserie. Oui, bah, la super bombe, c'était mérité, quoi. Hey! Ah! Non, pas si près. Je sens ton haleine. Je n'aime pas ce laser du tout, puis il ne m'aime pas non plus d'ailleurs. C'était une belle explosion colorée, dites donc. Ce perso ne me va pas, il faut que je repeigne absolument le vide viper, parce que voilà. Tout le monde est malheureux derrière en plus. Alors ce scénario... J'ai détruit les spatiaux WC, donc maintenant il faut que je change de cabine pour aller dans un autre spatiaux WC. C'est quoi ce scénario, sérieux? Ah, spécial Halloween! Bah, je pense que je vais me servir de ce stream pour le publier pour Halloween, tiens. Voilà, le stream d'Halloween, The Big Game Husky, il est prêt, il est enregistré. Nous sommes en septembre. Oui, mais il faut s'y prendre tôt, hein, des fois, parce que...
on n'est jamais trop prudent et prévoyant. Donc, voilà le topo. Je sens qu'il va me, il va me stresser ce niveau. Et pour de vrai, sans simuler, sans forcer, sans faire de bêtises, moi-même volontairement. Chut, 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 chut. J'ai l'impression d'être dans Space Channel 5. Chut, chut, chut. Alors, je choisis le dessus, le dessous, le dessous, le dessus, le dessus. Et bien sûr, il y a des trucs qui tombent de partout, il faut pas toucher les bords, et c'est là que je suis super bon, et bravo, des stalactites explosives en plus. Mais quelle est cette perversion ultime? Non, tu t'en vas. Tu ne m'as pas porté bonheur. Le poisson, non, je vais te récupérer, rigoler. Il faut quelque chose de neutre. Voilà, un vaisseau qui tire. Sur des poulpes. Et des petits canards. D'accord, tout est normal. Alors, je vais reprendre un petit cachet, puis ça va bien se passer. Sans le dynamitage d'en bas, ça, tout de suite, la vie est plus dure. Hein. Voilà, là, ça va un poil mieux. Méfie-toi des tastanitnit. Barre-toi bien haut. Putain, mais non, mais elle est tombée en haut, là. Forcément, les gens un peu techniques diront elle pouvait pas tomber en bas. Et ils auront totalement raison. Mais vous avez bien compris ce que je voulais dire. Il y a trop de monde, il y a trop de monde. Mon regard ne sait plus où aller. J'ai perdu mes yeux. Alors, le bonus Pac-Man va faire que m'en rajouter, en fait. Je vais être malheureux. Je vais être malheureux sur ce niveau. Mais je vais être malheureux. Ah, ça passait. Ah, moi, les bonus. Vous sentez, si je m'investis totalement dans le stream pour vous faire voir quelque chose de magnifique, d'exceptionnel, un moment unique dans votre vie, et dans la mienne aussi, d'ailleurs. Oui, parce qu'on va se le faire en entier, ce jeu. Vous avez vu, quand même, comme il est juste pas croyable. Donc, je peux faire carrément écrouler les niveaux, si je veux. Et si je veux pas, c'est un peu pareil quand même, on va dire. Pourquoi j'ai pas, j'ai choisi de passer là pour me prendre ça sur la gueule. Ah, pour une fois que je gère pas trop mal, ça va. Pas sur la tête. Not on the head. Beware the... Oui, je suis total focus. Et pourtant, je suis pas très interactif. Hein. Salut à toi, Focus Interactif. Pourquoi faire un salut à Focus, sérieux? Ah, papa, chat catcher, c'est quoi? Non, je veux pas savoir. Si, on veut savoir. C'est le gros problème de ce jeu. Il est tellement... surprenant par les bestioles qu'il introduit que du coup, votre pauvre curiosité est là, complètement malade et excitée. Et vous pourrez pas vous arrêter. Vous remettrez... Ah, pense à te mettre en haut, c'est tout. Oui, je vais y penser. Méchant, 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 méchant. Méchant. Pourquoi je fais cette voix? J'avais que ça en stock. Il va me faire une gueule là, lui. Une gueule là d'enfer. Iche dans ta tête. Alors si je perds mes trois vaisseaux, je suis dedans. Ça va pas être cool. Oui, je suis en méga gros. Je suis en méga gros. Mais je veux bien shooter, mais ça shoot rien, la gars. Gars, la gars. Ça y est, c'est parti. Ah, c'est dans la tête. Moi, j'aime bien viser les nombrils hein, sur les bestioles. Bon, je me barre. Connard intergalactique. Please, continue. Je sens qu'il va être long, ce boss, si je dois recommencer à chaque fois du début, parce que je... Comment ça, j'ai pas besoin de dire que ça se voit, que je ne connais pas les patterns. Bah oui. Je spécifie quand même, il y a des gens, ils peuvent croire qu'en fait, je fais réellement One CC tous les jeux que je chronique. Je vous rappelle qu'on en est à... Plus de 300, quoi. Je vais pas One CC les 300, c'est pas possible. Soyez humains. Je ne fais que ça. Je voudrais bien du beau, je voudrais bien du nu, je voudrais bien du beau nu. S'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Wow. Pour l'instant, je gère pas trop mal. On a fait les trois quarts. On a fait les trois quarts. Ce serait moche de se déclarer vaincu. Alors que je vais le faire en un vaisseau. Non, it's not possible. Et oui, j'avais oublié de regarder. C'est... Mais en fait, c'est son énorme paire de... Je l'ai dit à la fin, comme ça, vous serez obligé de revenir en arrière. Mais vous avez vu cette paire qui se trimbalait? Tu m'étonnes qu'il était long, ça frottait par terre.
Donc, vous, joyeux viewers de ce stream, vous avez le temps de saisir toutes les petites choses croustillantes dont recèle le jeu. Ça, c'est les ballons, c'est des... comment ça s'appelle? C'est un truc de monde. Vous savez, le truc des poissons gigognes sur un élastique, on tire le premier et hop, ça fait sortir toute la famille de poissons, du plus petit au plus grand. Les références, il y en a incroyablement beaucoup. Je voudrais bien un méga tir qui défonce. Hop, pas dans la gueule de préférence. Dun 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 dun. Tant pis les cloches. Quelque part, on pourrait dire qu'il y avait même plan de vie zombie avant l'heure. Non, c'est quoi ce niveau? Ne me dites pas, ne me dites pas, ne me dites surtout pas. Je reviens à mon point de départ pour arriver à passer le niveau. T'y crois, toi? Ouvre-toi. Oh, les astuces, my no god. Bah oui, j'ai affronté ça avec le calme et le flegme recommandé dans un shoot. Mais j'avais vraiment aucune idée de par où passer, je vous le dis. Ouais, en bas, c'est mieux. Oh purée, mais c'est quoi ce niveau? J'ai pris quoi? Yes, et continue, because mes yeux sont pleins de couleurs pastel et de missiles, et je ne saurais m'arrêter aussitôt. Ils sont sympas, ils vont bien lâcher du bonus. Dans mon a, nananana. Et oui, on l'a tous dans la nana un jour ou l'autre. Tell me why. Ouh, c'est moche. Je me casse, vous n'êtes pas drôle, vous n'avez aucun humour. Mais même les cochons m'attaquent maintenant, c'est... Il y a quelque chose qui casse un jour là-dedans ou je suis condamné à mourir. Putain. Oh la frayeur, ce niveau. Ce niveau est diablerie. J'ai dû cramer le truc à temps. Si là j'ai pas un méga tir à la fin de cette récolte de bonus plus que généreuse, c'est que je fais un peu exprès. C'est-à-dire un nouveau bonus de Pac-Man. Non, je vais pas m'aventurer à un truc plus compliqué que ce qui est prévu. J'aime bien quand un script se déroule comme prévu, justement. C'est l'avantage du script. Une fois que tu le connais, t'as pas à le réapprendre. Ça pète un jour, ça, ou il y a une inexorable... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout est que ça sent le cochon frit et le boss de fin de niveau. Qui est donc une énorme sucette multicolore, non, bicolore, avec ses bonbons bien entendu. Et qui va me faire une fête. Mais une fête, laisse tomber quoi. Non ça va, ça ralentit un peu. Bon c'est pas assez pour un vieux je trouve. Oui, je me sers toujours d'excuses, Papy Nova. Bah c'est pratique. Ce serait ballot de pas s'en servir. Mais je tire pas quand je fais ça, madame. Donc j'ai l'air d'un con. Waouh. Et il fait des attaques avec des bonus. T'y crois, toi? Oui, je peux pas tirer derrière. C'est pas dans l'envisageable, même rapidement. Il me fait des attaques de bonus, le pépère. Il va y avoir un piège. Il va y avoir un piège. Non, il est mort. C'est parfait. Je rappelle pour les gens qui seraient endormis, malgré l'action trépidante, qu'on est dans Sexy Parodius. Et qu'on va en voir le bout. Le bout de quoi? De Sexy Parodius. J'étais complètement déconcentré et pas là du tout. Oui, alors, concentration, focus, on y va. Ah mais du coup j'ai passé le boss. Quel merdage. Je suis désolé les amis. Alors je suis passé dans un mode... Oh non, qu'est-ce qui se passe? Bon, y a des tas de choses qui m'échappent dans ce jeu, mais... Là particulièrement, on va dire. Damn.
Oui, bah, il y a un moment, ça suffit. Oui, alors, tu ne restes pas en face de ça. Dès qu'ils arrivent, tu fais comme les grands princes, tu les laisses passer. Oui, ces plantes visent zombies avant l'heure. Ce bonus m'exaspère. C'est pas exactement ce que j'avais commandé. Heureusement qu'on a de la bonne musique toujours. Ah, me gratte le nez. Non, pas à ce moment-là. Bon, c'est fait. 25 minutes de stream, il ne s'arrêtera pas. Non, je vous ai dit, ce jeu est addictif, c'est son gros problème. Alors, il est jouable. Et addictif. Et rigolo. Bref, tout ce qu'il n'y a pas dans les shoots normaux. Donc c'est un vrai plaisir de s'égarer là-dedans. Oh, comment tu l'as bien pris dans la poire celui-là, c'était magnifique. Oh non, pas le bonus qui pue. Ah non, ça, je suis en super gros. Je vais leur faire la super fête et je vais me super péter les trucs qui m'emmerdent là. Tout est super, tout est magnifique. Et tout va bien se passer. J'aimerais bien avoir un... Ah, c'est génial. J'aimerais bien avoir un vrai tir d'homme. Avec des... Il ne finit jamais sa phrase. J'ai pas compté les crédits, mais je pense aussi que c'est... Le jeu, non seulement il fait son travail d'amuser, mais il le fait magnifiquement, puisque j'ai dû insérer le prix d'un aller-retour Paris-Montpellier dans la borne. Oui, je sais, ça représente quelques millions d'euros, mais... Non, j'exagère. Non, en fait. J'ai envie d'être méchant. Mais pourquoi? Bah parce que tu sais bien. Pourquoi? Il n'y a jamais besoin de se justifier quand on veut être méchant, enfin. Il va falloir passer un jour. Ah, je me gratte, attends. Pas maintenant. J'ai pas fini. Je peux pas me gratter, c'est chiant. J'ai un truc sur la joue qui m'emmerde depuis tout à l'heure. Aïe, mais on s'en fout, mais oui, mais regardez. J'allais loin de cesser, et à cause de ça... Ouais, j'en profite. À cause de ça, je peux pas le moins de sécher, quoi. Où va-t-il me remettre? Surprise, surprise. Oui, ça fait plusieurs fois qu'on voit ce trou du cul de pingouin, mais... Non, ce n'est pas son nom. Et c'est bien ce qu'on a vu à l'écran. Ne me prenez pas pour une andine. Oui, betterave. Salutations à toi, de ligne de l'espace. Ah. Et ce jeu de ligne de l'espace, il se fait à deux éventuellement, si ça te dit. Si t'as le courage, mais t'auras jamais le courage. Toi, tu fais que des jeux de filles. Comme les jeux qui font peur. Les jeux un peu gore avec des vampires. D'ailleurs, je me demande ce qui s'est passé à Londres. Il y a eu un gros bordel. Je ne détaillerai pas, mais j'aime beaucoup les titres de tes streams. Allez voir les streams de Denis si vous êtes à un jour d'ennui profond, vous verrez que c'est largement aussi marrant que des streams de gens avec de la réputation de la mort qui tue. Et qu'au moins, on s'y prend pas la tête et on découvre vraiment des trucs. C'est des jeux joués par des gens qui jouent, pas des jeux joués par des gens qui se prennent pour des journalistes. Et ça change complètement la donne. Parce que l'info, oui, on vous la file, quoi, sans... Mais je dérive, il faut que je choisisse un vaisseau. Comment ça, j'esquive le sujet? Oui. Bah, on a remarqué quand même que tous les projets de médias indépendants... Ce trou du cul de pingouin fait rire. On a quand même remarqué que tous les projets de médias indépendants finissaient par se faire bâillonner ou pas financer et être dans la merde. Avec le Time Over. Il y a un Game Over fatidique? J'ai pas compris. J'ai pas fait attention qu'il y avait un chrono. Bon, ok, vous faites jeter et vous ne voyez pas la vraie fin si vous n'avez pas fait la mission dans le temps imparti. Bravo. Ça n'empêche pas que je disais sur les médias, oui, aujourd'hui c'est quand même triste que, malgré les outils comme Internet, bah on n'arrive pas à avoir des médias indépendants parce qu'ils se font mettre les bâtons dans les roues régulièrement pour ne pas aboutir. Et tous les projets de passionnés apparemment se cassent la gueule. Oui, je parle bien de Nolife, mais je parle aussi de Game Cult qui n'est pas dans une grande forme et que vous pouvez visiter, vous pouvez même vous abonner pour les soutenir.
Et du coup, bah, c'est un peu pénible, parce que l'option restante, c'est celle de vendre un peu son âme, et du coup de mettre de l'eau dans son vin, et de pas chroniquer des jeux correctement de manière joueur, mais de chroniquer par rapport à ce que certains attendent. C'est tout le problème qu'on avait dans la presse musicale dans les années 70-80. Ça me dit un peu moins vieux. Mais le problème, c'est qu'il est récurrent et il se renouvelle sur la génération jeux vidéo. Et c'est emmerdant. Donc soutenez vos médias indépendants. Si vous voulez pas que tous vos médias, ça soit juste que des pubs déguisées en articles, quoi. C'était la moralité du jour. Merci d'avoir écouté ma moralité aussi. Donc, super sexy Parodius. Oui, voilà, c'est ce qui est écrit. Non, je ne dis toujours pas japonais. Sexy Parodius, c'est totalement validé. Je pense que certains d'entre vous qui aiment beaucoup le shmup horizontal pourront le mettre dans leur top jeu et ils auront totalement raison. Moi, je le garde juste dans les super validés parce que... Faudrait que j'y joue sérieusement, pas juste pour vous faire voir avec crédit illimité. Et je comprendrai réellement son challenge. Ceci dit, il m'a l'air quand même plus accessible que ses prédécesseurs. Même si, comme on l'a vu, il y a quand même quelques passages. C'est tordu quand même. Le 1cc, il doit se mériter dans ce jeu. On va se quitter sur cette belle image. Et une photo de Enrico Macias en train de jouer de la guitare. Non, je rigole. Oui, je voulais pas qu'il y ait des arrêts cardiaques quand même. Je vous laisse avec les deux playlists habituelles, la classique et celle des shmup. Et aujourd'hui, c'est jour de fête, une playlist bonus. Shblong. À demain, 19h. Ciao.